à chaque année correspond une certaine évolution et qu'il faut s'adapter à l'évolution du temps. Chez l'enseignant, la mise à niveau, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, je peux vous le dire. Face aux élèves, il est en train de se remettre en cause, de se mettre à niveau, de s'évaluer, de s'auto-évaluer. En dehors des élèves, même à la maison, lorsqu'il est sur les copies, lorsqu'il est dans les bouquins qu'il lit, il mesure sa capacité d'être à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Maintenant, ne pas assister à l'évaluation n'est pas du tout enseignant. C'est-à-dire un enseignant qui, il peut venir en classe pour dire, allez, vous prenez une feuille, 15 minutes, prenez une feuille, ceci, cela. Il évalue ses élèves. Mais pour évaluer, pour former, il faut s'assurer qu'on est formé. Et c'est pour cela qu'il est important et tout à fait normal que les enseignants, toutes catégories confondues, acceptent une évaluation, acceptent une remise à niveau. À plus forte raison, les enseignants qui ont été recrutés dans le système, à un moment où on avait besoin de main-d'œuvre, entre griffes, pour pouvoir colmater les brèches. Maintenant, qu'ils sont dedans? Il y en a qui ont déjà fait peut-être 10 ans, 15 ans, 5 ans. Il faut les remettre à niveau pour être sûr. Parce que quoi qu'on dise, il ne faut jamais continuer de dire que la baisse des niveaux dont nous parlons tous les jours est à imputer aux seuls élèves. C'est archi faux. Celui qui enseigne est responsable en partie. Les parents sont responsables. En gros, tout le monde est coupable. Maintenant, il faut commencer à chercher les maillons qui permettent d'éradiquer les éléments qui favorisent la baisse de niveau. Non, je crois qu'avec tous les éléments dont moi j'ai été mis au courant, tous les éléments que j'ai suivis, tous les éléments que j'ai intériorisés, je crois quand même qu'il n'y a pas péril à la demeure. Il est question seulement d'aller se faire évaluer. On devrait même être pressé pour montrer à l'autre, au gouvernant, montrer aux parents, montrer à ses élèves qu'on est très bien devant, on est arrivé parce qu'on a quelque chose dans la tête. Et mieux, si moi par exemple on me dit, bon, monsieur Sagbo, vous devez être évalué en anglais parce que c'est la matière que vous enseignez, mais écoutez, je ne demande pas mieux. Je ne crois pas que ce soit le moment de boycotter comme les gens l'ont lancé sur tous les réseaux, boycotter, boycotter. Je crois quand même qu'il y a un risque. À partir du moment où il y a un seul qui est prêt pour aller faire l'évaluation, les autres, même s'ils sont 99, ils n'ont plus des raisons de ne pas aller à cette évaluation. Ils prennent le gouvernement et le peuple à témoin par rapport aux promesses qui ont été faites, par rapport aux engagements qui ont été pris. Une fois que l'évaluation est faite, est-ce qu'on a respecté ou bien est-ce qu'on respecte ce qui a été dit, à savoir que ceux qui ont passé la barre, ils sont d'office rangés dans le lot des enseignants, enfin, dignes de ce nom. Ceux qui n'ont pas pu franchir la barre, on essaiera de les remettre à niveau. Ceux qui ne répondent pas du tout, on les mettra dans d'autres secteurs. Si les trois conditions-là sont respectées, je ne vois vraiment pas. Parce que je ne peux pas être couturier ou bien menuisier et exiger qu'on me maintienne dans le système éducatif. Non, un menuisier n'est pas un enseignant. Une couturière n'est pas une enseignante. Mais des gens qui ont été... Parce que moi, j'ai connu des vacataires qui continuent encore jusqu'à ce jour de forcer mon admiration. Ils sont bons, ils sont superbes. Mais donnons-leur une chance d'être des professionnels en leur donnant une formation digne de ce nom. Donc, chers collègues enseignants, je vous soutiens, mais à condition que vous puissiez aller effectivement vous faire évaluer pour montrer à vos apprenants et à l'État payeur que vous méritez la place qui est la vôtre dans le système éducatif béninois.